Bonjour, ici Rachel, c'est la Sainte Fleur. Bélier, vous risquerez de vous sentir seul à combattre contre tous les éléments. Il faudra absolument cultiver la patience et la confiance pendant tout ce mois d'octobre. Il vous faudra des trésors d'intelligence et de diplomatie pour rééquilibrer votre vie relationnelle. Taureau, ce que vous chercherez obstinément sera de faire en sorte que tout fonctionne dans la même direction et dans le même esprit, qu'il n'y ait plus aucune contradiction. Gémeaux, signe fort du jour. Pour vous permettre d'avancer à toute vapeur, Vénus endormira vos ardeurs amoureuses. Vous penserez à vos affaires, à votre rentabilité, en utilisant à fond toutes vos capacités. Cancer, vous aurez beaucoup de monde autour de vous et ce tumulte relationnel ne vous laissera pas le temps de vous ennuyer. Lion, vous vous sentirez éclairé, léger, libéré. Vous pratiquerez la pensée positive. Je vais réussir. Vierge, signe d'amour du jour, encore et toujours. Il y aura, grâce au transit de Mars en trigone à votre signe, un élan nouveau et des projets d'avenir dans le travail ou dans vos amours. Les changements intérieurs vous pousseront vers les responsabilités. Balance, jour de succès professionnel, il ne faut rien précipiter, car ce sera pendant le mois de novembre 2016 que vous pourrez réellement mettre toutes vos actions en route. Les grands rêves demandent du temps. Installez-vous dans ce qui vous convient le mieux, car pour vous, ce bon mois d'octobre vous le permettra. Scorpion, vous n'accepterez plus de concessions, plus d'arrangements, plus de compromis. Si vous vous laissez mener par votre fureur, vous risquez de faire des erreurs. Sagittaire, vous qui agissiez habituellement seul, avec facilité, vous vous mettrez à rechercher la compagnie et le contact des autres. Et surtout, vous y prendrez goût. Capricorne, le Soleil et Pluton consolideront encore votre volonté. Vous vous organiserez pour avancer, rentabiliser, obtenir de très bon résultat. Verseau, vous aurez tendance à être direct. Ce sera tout ou rien. Vous pourriez avoir envie de prendre une distance salutaire et vous éloigner d'une personne ou alors d'une situation négative vis-à-vis d'un tiers ou sur le plan relationnel ou amical. Si d'autres ne voient pas les choses du même œil que vous, persévérez, car vous pourrez contrer toute forme d'opposition. Poisson, ne vous reniez pas. Restez en contact avec la source de vos désirs, car cette source sera en accord avec votre santé. Ici Rachel, un beau jour commence. Nos efforts ne sont pas pour nous seuls.